Je suis issu d'une famille pauvre, dont la douleur réellement fantin au monde tel un fauf en l'an de grâce 1630. Jeune de 20 ans, je pris mon baluchon pour tailler, devenu membre d'un rafio sous la fonction de boucanier. Nommé capitaine, à sa mort je fus promu, mettez le cap, direction l'île de la tortue, j'y ai pris refuge. Forger ma réputation, puis des navires et des villes pratiquent la décapitation. Les soldats de la couronne me recherchent, seul survivant d'un équipage qui fut massacré à Campeche. Je les vengerai, je n'ai qu'une parole, viens t'apporter un navire de la flotte espagnole. Exécute chaque prisonnier de façon abominable, passe la langue en léchant le sang sur le dos de mon sabre. J'ai coupé toutes les têtes excepté celle-ci, la laisse repartir en vie pour qu'elle puisse compter ce récit. J'ai sous mes ordres plus de 400 hommes, flotte de quelques bateaux pour mener l'assaut sur cette île que l'on nomme Maracaibo. Une fois là-bas, ni habitants ni richesses, réfugié à Gibraltar, gardé dans une vraie forteresse. On a quand même assiégé, tache de sang chiffonné. Laissez-moi danser ivre sur le hurlement de mes prisonniers. Durant des semaines à torturer la population, accommodé par l'odeur des cadavres en putréfaction. Enfiler les uns sur les autres, tu vois le cauchemar commence à parler des bêtes ainsi que des maladies bizarres. Elles entendent les cris d'agonie de leurs chers maris, leurs femmes écartent leurs cuisses pour qu'on épargne leur vie. Après 6 semaines, nous partirons, à condition que la couronne accepte de verser la rançon. Levons l'ancre du port, ce fut une belle prise. Journal de port en fin de page, août 1666. Trouvez-moi, tuez-moi, déguste bien ma chair. Revenant des enfers, mon âme survivra. Le peniche est puissant, toujours autant d'ambition. La peur et le silence s'installent, rien qu'en prononçant mon nom, il me faut 600 hommes. Une flotte de 7 frégates projette de faire mon prochain raid à Grenade. Certes, c'est pas une grenade, fallu régulièrement piller. Pendant que le gallois récupérait la moitié de mon armée, fini échoué sur le port d'un récif, piégé, attaqué par des milices et des tribus d'hommes primitifs. Ma carcasse est à vous, si ça peut vous satisfaire. Mon esprit restera celui de Lolo Noir. Affamé à soif et nous fîmes capturés au final, amenés jusqu'à un village. Une tribu cannibale, ça fait déjà le troisième gars qui s'emporte pour l'emballer afin de le rôtir comme un porc à l'approche. Cette fois pour moi c'est trop tard. Signé François Lolonois, c'est là que s'arrête mon histoire.